OK, qu'est-ce qu'il y a, hein? Manques-tu un pain de ta fournée? Pourquoi tu fais aïeul? Bon, c'est à cause de ta femme, elle a couché avec Guillaume de Métivierge dans une Hyundai. Elle est revenue avec la ceinture de sécurité dans le crack. On enchaîne. Est-ce que c'est ton beau-frère qui a échappé une assiette de pâte dans ta piscine? Hey, ça te tente pas de nous le dire, quoi que t'as cette face-là? C'est pas cette face-là que j'ai, c'est un autre face-là. Cette face-là, je la mets quand je commence cette année. Pourquoi? La vie est une beurrée de problèmes et de misère et demie. Ben voyons. Les factures, hein? Qui c'est qui se posait payer ça, les factures? Moi? Oui. Ben, je les ai toutes mises au recyclage, il faut payer ça. Ben oui. Et après ça, tu sais, ding-dong. Pas l'huissier. Non. Qui? L'hydro. Il dit bonjour, monsieur, m'en viens vous couper. Bonjour, ça, comment ça va? Puis tu es après, toc-toc-toc, oui? Non. C'était Guillaume, le métier vierge, qui est venu me porter le soutien-gorge à Sylvie. Et tabarnon, ça va pas bien, ça va pas bien. Mais gars, mon petit gars. On se désole quand on se regarde, mais on se console en ouvrant la bouche. Non, je veux dire, en regardant les autres, regarde bien ça. C'est déchirant. T'es guéri. Mais comment ça? Dans le jardin, je cherchais ma hose, il est parti. Plus de hose. J'avais supposé avoir un effet spécial. Et là, le téléphone sonne, tu sais. Ouais. C'est le beau-frère qui s'en vient à la maison. Non. Petite merde. Ben oui, j'ouvre une canne de bine. Pas vrai. Avec un opener conçu pour les cannes de blé d'Inde. Oh non. Mais c'est une jambe. Oh! Ensuite. Et puis. probablement d'autres bad luck, mais je m'en souviens plus. J'ai perdu connaissance en tombant dans les marches. Monsieur Boudreau, vous êtes psychiatre. Est-ce que ça existe des gros kiotes? Et deuxième question, que pensez-vous de ma première question? Génial. Et pourquoi? Attendez, j'ai rien dit encore. Okay. Regardez bien. Hein? Je vais disparaître puis revenir. Hey! Oh. Quand que les gens ils se sentent pas bien, c'est un effet de l'enfance sans carré de sable. Oh. L'enfant doit rentrer chez lui avec une poche de sable dans chaque oreille. Bon, merci pour les explications sur les troubles psychiques. Toi, Marc, ça va, t'es en santé, y a pas une corde attachée au plafond, tu vas nous parler positif. Tu ce qu'il y avait, j'ai un petit papier jaune sous le frigidaire? Non. Ma blonde a moins écrit. C'est pas vrai. Je ne t'aime plus, je suis avec Guillaume Lemay. Au moins, c'est pas si vierge.